Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 188e vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core. On s'attaque aujourd'hui à la mission Recrutement 1, donc une mission où on change de grande catégorie. On passe dans la catégorie Recherche d'objets rares tout simplement et le fabricant d'accessoires Recrutement 1, une mission toujours de difficulté extrême. Donc on va essayer de terminer cette catégorie, ce serait relativement pas mal. Vous allez voir toutefois que les missions sont assez corsées, donc il va falloir être prudent. Donc pour le boss d'ailleurs, je vous donnerai un petit conseil supplémentaire au niveau des équipements. Donc on va se taper un petit combat aléatoire obligatoire juste ici. Donc vous voyez qu'on affronte en fait des membres du Wutai. Donc attention aux attaques physiques, hein, qui la plupart du temps font assez mal. Là vous voyez que je viens de me faire shipper tous mes PM. Donc là je pense que ça va me remonter un petit peu si mon OCN réussit. Donc les combats aléatoires sont pas trop complexes, mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment bien se protéger au niveau physique, parce que c'est là que ça va faire le plus mal. Donc toutefois, avec un bon petit point vengeur bien placé, les combats vont très très vite au niveau des combats aléatoires. Donc là, une petite vague guérisseuse qui va servir à me mettre invincible. Je vais mettre un petit point vengeur, et voilà. Donc là, on chope l'adamantine et on se dirige tout de suite vers le deuxième coffre. Donc l'adamantine qui, je le rappelle, à la fusion de matéria, vous permet d'augmenter le bonus de résistance. Donc là, attention, voilà, là ils sont deux donc ça va. Ils ont une technique arrêt cardiaque qui, il me semble, soit vous met un coup critique, soit vous afflige l'altération d'état mort. Donc attention à cette attaque, il faut bien l'esquiver, toutefois elle est vraiment pas complexe à esquiver. Donc ici vous avez une petite potion X qui est relativement utile, peu importe le niveau où vous êtes. Toutefois c'est vrai que si vous avez 99 999 de vie, la potion X va pas servir à grand chose. À part si vous avez les équipements requis pour pouvoir augmenter l'effet bénéfique des objets. Donc ici vous avez un élixir, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas chopé un. Donc un élixir juste ici. Donc le troisième coffre. Vous avez ensuite un brassard d'éclair, donc qui est très très utile puisqu'il vous permet d'absorber tous les dégâts liés aux attaques de foudre. Donc très utile pour se protéger contre des ennemis ou des boss tout simplement, qui vous mettent des magies comme Foudre X et électrocution. Donc électrocution, je ne sais pas si ça marche, mais il me semble que oui. Donc on servira d'ailleurs de cet équipement, parce que moi je suis le premier à dire que ces équipements-là sont très utiles, mais je ne les utilise quasiment jamais. Donc là, en l'occurrence, je vais les utiliser contre les boss, parce que vous allez voir qu'ils nous balancent des triples brasiers. Donc l'utilité, c'est de se mettre le brassard embrasé qui absorbe tous les dégâts liés à ces attaques-là. Comme ça, vous allez vous faire soigner, donc du coup, ça va être très très pratique. Enfin, vous allez vous soigner en fait avec leurs attaques. Donc il nous reste deux coffres à choper avec des choses un tout petit poil moins intéressantes. Un cyclone faucheuse qu'on a déjà obtenu en vraiment pas mal d'exemplaires. Et une plume de gros chocobo qui permet d'augmenter le bonus de PV à la fusion de matéria. Donc n'oubliez pas que les plumes de gros chocobo, vous pouvez maintenant les farmer dans la mission 666. Donc la mission qui s'appelle l'ombre du parrain, qui est la dernière mission de la catégorie recherche d'objets précieux en volant le Behemoth qui est le boss de cette mission. Donc je l'ai présenté dans la mission précédente. N'hésitez surtout pas à vous référer à la playlist, ça vous sera très très utile si vous voulez booster vos PV tout simplement. Donc la plume de gros chocobo qui est juste là. Donc je vais m'empresser d'aller chercher. Donc on se tape un petit combat aléatoire. Hop, je vais essayer de terminer ça rapidement. Attention aux attaques physiques. Hop, et... Ah voilà, la technique arrêt cardiaque qui fait assez mal, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas de coup critique, ni l'altération d'état mort, mais c'est tout simplement un coup plus puissant que les autres, je dirais. Donc ici la plume de gros chocobo, je vais rapidement me soigner, l'histoire de pas me faire tuer non plus. On va sûrement se retaper un combat aléatoire, même pas. Donc en tout cas là on va en avoir un obligatoire juste en passant ici et ensuite on sera arrivé au boss. Donc ça c'est des missions qui sont assez longues et pas faciles à faire. Donc il faut être relativement prudent, donc protégez-vous bien au niveau physique. Et si vous en sortez bien, vous voyez que vous arrivez à atomiser deux ennemis d'un coup et tout simplement réussir à bien vous protéger. Donc avant de se lancer dans le combat de boss, je vais vous donner quelques informations. Donc ici vous avez un chef et trois gardiens. Donc je vais vous montrer un petit peu les équipements que je vous conseille fortement ici. Donc une boule de cristal, vous enlevez un Shinra Gamma, donc l'histoire de baisser votre résistance, qui est pas non plus ultra conseillé, mais vous le verrez pourquoi je vais faire ça. C'est tout simplement pour m'équiper du brassard embrasé qui absorbe les PV lorsque vous êtes frappé par des attaques de feu. Donc la première chose à faire quand vous arrivez dans ce combat, c'est soit de balancer un point vengeur, soit de vous mettre la matéria écran pour bien résister contre les attaques, parce que vous allez voir qu'ils sont très très puissants ici, hein. Donc là je vais essayer de m'infiltrer discrètement de ce côté là pour pouvoir faire une attaque rapide et utile. Donc ici un petit point vengeur qui atomise cela. Hop, on esquive le triple brasier. Donc là attention à cette technique là, on se met un petit écran. Donc là ce que je vous conseille fortement, c'est de commencer le combat par derrière. Vous avez vu que là j'ai bien assuré et j'ai réussi une esquive facile des deux triples brasiers. Donc toutefois, même si je me serais fait toucher par les triples brasiers, ça m'aurait soigné, donc aucun problème. Et à la fin de cette mission, vous chopez un porte-bonheur. Donc voilà pour cette mission recrutement 1, on en a encore 5 à faire comme ça. Donc on chope bien évidemment une nouvelle mission.
Donc je vais vous montrer à quoi correspond le porte-bonheur parce que je me rappelle plus du tout à quoi ça sert. Donc c'est la première fois que j'en chope un et c'est chance plus 100. Oh, waouh. Alors ça c'est un truc de fou. Je savais même pas que les équipements comme ça existait. C'est juste un truc de malade. Donc la chance, je le rappelle, cette statistique sert à tout ce qui est coup critique. Donc ça va pas nous servir à grand chose effectivement parce que vous voyez très bien que au niveau des coups critiques on est bien boosté ici. Mais ça vous sert également pour le taux de drop. Donc quand vous chopez un objet rare, quand vous faites un vol en fait sur un ennemi, plus vous avez de chance, plus vous avez de chance de choper l'objet rare qui se situe sur l'ennemi. Donc ça peut être très très utile. Donc voilà, porte-bonheur, un objet ultime à avoir. Donc voilà, si vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire ou message privé. J'y répondrai avec plaisir et sur ce, on se dit à tout de suite pour la deuxième mission de cette catégorie, le chercheur d'accessoires il me semble.